Bonjour amis de la métropole, voilà, je me permets de faire une vidéo pour dire à tous mes collègues des forces de l'ordre de rejoindre le mouvement des Gilets jaunes. En fait, j'ai honte de ma profession, j'ai honte du métier de policier. Chaque jour, on se bat pour avoir des avantages et maintenant que le peuple se réveille pour nous, pour nos avantages et ceux de nos enfants, on va dessus, on les castagne. J'ai vraiment honte de tous ces collègues qui se battent contre le peuple alors que c'est eux qui vont changer les choses. Il faut rejoindre le mouvement des Gilets jaunes. Major, officier, brigadier, sous-officier, gardien de la paix, rejoignez le mouvement, défendez nos droits. Vous voyez les conditions dans lesquelles on travaille, les véhicules qui sont pourris, les conditions dans lesquelles on travaille. Vous voyez que tous nos collègues se mettent en arrêt maladie, tout le monde est en dépression, il y a des burn-out, ils veulent tous changer de service, ils en ont marre de la voie publique. Il faut commencer à changer les choses, les amis. Vraiment, je vous demande de rejoindre ce mouvement. Quand je vois les tweets de Macron qui nous félicite de tabasser la population, mais c'est honteux, c'est honteux. C'est pas un fake, hein, c'est pas un fake, hein. Il y en a plein qui m'ont mis tout à l'heure, ouais, c'est un fake, c'est un mec qui s'est déguisé. Non, non, j'ai mis tous mes effets de police en fait pour vous montrer que c'est pas un fake, ok? On trouve pas ça non plus à la foire fouille. Donc je suis vraiment quelqu'un qui en a plein le cul de voir qu'on est en train de gaspiller en fait notre temps. Là, je donne un conseil aux gilets jaunes, c'est de continuer le mouvement, les gars. En fait, la police, elle va être en rupture de stock de bombes lacrymogènes, de tout ce qu'il y a pour défendre un petit peu, là. Il va y avoir des ruptures, les gars. Il va y avoir des ruptures de stock. Il ne faut pas laisser tomber. Ok, je reprends mon direct parce que le réseau est très mauvais ici. Je suis à l'étranger. Vraiment, je continue à dire qu'il faut rejoindre les gilets jaunes. Collègues, vraiment, rejoignez ce mouvement. C'est nos droits qu'ils sont en train de défendre. C'est grâce à eux, peut-être, qu'on aura des avantages. Je vous recommande franchement de rejoindre ce mouvement. Je suis très loin, je peux participer à rien du tout en métropole. Je regarde les infos, je suis dégoûté. Quand j'entends toutes les informations sur BFM, déjà je suis dégoûté. Je sais que c'est faux. Je sais que tout le monde bouge. Je sais que le peuple est en train d'agir en France. Moi, je peux rien faire du tout. Eh oui, je sais qu'il y en a qui mettent des commentaires un petit peu dégueulasses et tout ça, mais moi, j'ai honte de mon boulot, les gars. Franchement, j'ai honte de mon boulot quand je vois tout ce que vous faites sur ces gens-là qui défendent nos droits. C'est grâce à eux. Quand il y a des émeutes dans les grandes villes et tout ça, on ne bouge pas notre cul, on reste au commissariat, on a peur et tout ça. Là maintenant, il faut vraiment bouger, il faut aller dehors avec les gilets jaunes. Là, faut vraiment aller combattre. Là, c'est nos droits. C'est nos droits. Vous êtes où? Ben, je suis loin, je suis à l'étranger, hein, comme tu peux regarder, tu vois, il fait jour chez nous. Ok, je reprends. Policier à l'étranger. Oui, je suis policier à l'étranger. Là, je suis dans la chambre de mon fiston, voilà, avec le drapeau de la France, avec nos valeurs. J'espère que les gilets jaunes vont réussir à défendre justement. Il faut se bouger. Franchement, vous allez voir, les forces de l'ordre, à un moment donné, ils vont venir de votre côté. Et à un moment donné, ils vont baisser les bras. Ils vont voir qu'il y a plus de gilets jaunes que de policiers. Là, quand je vois qu'à Paris, il y a 3000 policiers et 12 gilets jaunes, je suis vraiment déçu, quoi. Enfin, 12, je sais que vous êtes plus, hein. Mais il faut vraiment être plus nombreux que la police. En fait, il faut être plus nombreux que la police. La police va baisser les bras, va retomber les casques et ils vont vous rejoindre. Mais il faut que tout le monde se rende à Paris. Il faut qu'il y ait du monde. Je sais que je suis un beau parleur parce que je suis loin et que je peux rien faire. Mais franchement, si je pouvais joindre le mouvement, je le ferais franchement de tout mon cœur. Là, je suis loin, je peux rien faire. Je fais juste cette vidéo pour montrer à mes collègues, en fait, que moi, je vous soutiens. Moi, si j'étais sur place, en tout cas, j'aurais pas mis mon uniforme et je serais venu dans la rue. Je serais venu dans la rue pour défendre parce que j'ai des gosses, moi. Je veux défendre les avantages de mes enfants plus tard. Ok? Il faut vraiment se bouger pour nos enfants. Et là, le Macron, il va venir, il va dire des belles paroles, il va rien changer du tout. Franchement, je suis dégoûté de ne pas être sur place pour me battre avec vous, même si j'aurais pas fait grand-chose, mais au moins j'aurais été avec vous. Là, on vit les choses un petit peu en décalé, on est un peu loin, et franchement, je suis dégoûté de ne pas participer. Tu montres tes badges, mais pas ton visage maintenant, parce que je travaille pour le ministère de l'Intérieur, et si, je ne sais pas si tu connais, mais on a vite fait d'avoir des emmerdes, en fait. Donc, on peut dire ce qu'on veut, mais. Pas sous couvert, enfin sous couvert en fait, voilà. Donc après, je suis désolé de ne pas montrer mon visage, de toute façon, il n'est pas très intéressant, c'est mon message qui est le plus intéressant, vraiment, je suis avec vous.
Et je ne peux pas faire grand-chose à part diffuser ce message et faire appel à tous mes collègues, en fait. Vraiment de se bouger et de rejoindre les gilets jaunes. Merci pour tous ceux qui m'envoient des petits cœurs et tout ça. Voilà. J'espère qu'il y a d'autres policiers qui vont faire des vidéos comme ça, parce que franchement, il y en a plein le cul, quoi. Ils le savent, les collègues. Il y a tout le monde qui se barre, il y a tout le monde qui est IVP, ils veulent plus aller travailler. Ok, désolé pour ce réseau qui est pourri, hein. Franchement, ici, Internet, c'est pas le top. C'est pas comme en métropole. On le paye très cher et ça marche très mal. Voilà, je ne sais pas vraiment quoi dire de plus, à part qu'il faut vraiment que mes collègues se réveillent. Il faut se réveiller, les gars. Regardez les conditions de travail. Ils sont pourris. Il n'y a plus de menottes, il n'y a plus de gilets pare-balles, ils sont tous pourris. Il y a des contrôles armement qui font état de situations toutes pourries. Vraiment, il faut se bouger, les gars. Il faut se bouger. Je sais qu'il y a plein de flics qui pensent comme moi. Il faut se bouger, franchement. Il faut aller dans la rue. Il faut défendre. C'est grâce à eux qu'on est payé, en fait. C'est grâce à eux qu'on a de l'argent. C'est pas le ministère qui nous paye, c'est pas le Macron de mes couilles qui nous paye. Voilà, je suis désolé, hein. Je vais enlever ma cagoule et je vais éteindre la caméra parce qu'il fait très chaud ici. Et franchement, voilà, c'était juste pour pousser un petit coup de gueule. Ouais, non, c'est pas eux qui bloquent la vidéo, c'est le réseau qui est pourri ici. Donc je suis désolé, hein. Je fais ce que je peux à mon niveau, je suis vraiment très loin. Voilà, j'espère que ça va être parti. Ok. C'est vraiment pourri ce réseau, je suis désolé. Désolé pour ceux qui suivent la vidéo. Voilà, je montre mes écussons. Hein. Voilà, c'est pas un fake. Je suis vraiment dans la police. Ouais, voilà, je suis dans les dom-toms, c'est ça. Après, je vais pas trop donner de détails non plus. J'ai pas trop avoir d'emmerde. Je sais que de toute façon, ils peuvent me retrouver avec l'adresse IP. Il n'y a pas de souci. Je suis pas un âne. Maintenant, j'avais envie de dire un peu ce que j'ai sur le cœur, ce que j'ai sur le ventre. J'espère que les collègues vraiment vont vous rejoindre. J'espère qu'il y a plein de flics qui vont voir cette vidéo. J'espère qu'il y a plein de flics qui vont vraiment commencer à désobéir à ces ordres à la con. Parce que c'est nos avantages qu'on défend, c'est les avantages du peuple. Ils se sont gavés pendant des années, ils se sont gavés pendant des années. Il y a des gens qui touchent des primes inadmissibles, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, il faudrait au moins 3 jours pour tout dire. J'espère vraiment que les petits comme nous, on va se réveiller, que les choses vont changer. Vraiment, je soutiens ce mouvement, j'espère qu'à Paris, ça va bouger. Voilà, continuez le mouvement. Je vous le répète encore une fois, il va y avoir des ruptures de stock, il va y avoir des ruptures de bombes lacrymogènes, il va y avoir des ruptures de plein de choses. Il y a des flics qui vont commencer à en avoir marre, qui vont se mettre en arrêt. Non, je suis pas un militaire, je suis un agent de l'État, en fait. Donc, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère vraiment que ça va être entendu. J'espère que ça va réveiller, quelques personnes. Voilà, je suis désolé de pas pouvoir faire plus de choses. C'est tout ce que je peux faire. J'espère vraiment que ça va être entendu. J'espère que ça va être partagé. C'est pas une vidéo pour me faire remarquer. J'en ai rien à foutre. C'est juste que je suis pas sur place et je suis dégoûté. J'espère vraiment que ça va bouger. Franchement, les collègues, arrêtez. Arrêtez de tabasser des pauvres gens qui vous payent. Arrêtez d'obéir. Mettez-vous en arrêt maladie. Franchement, désobéissez, quoi. Mais faites ça bien, quoi. Mettez-vous en arrêt. Arrêtez d'y aller. Restez à la maison, au pire, sur le canapé, et laissez les gilets jaunes faire ce qu'il y a à faire. Les choses vont changer. Franchement, voilà, je vous remercie tous ceux qui sont avec un gilet jaune dans la rue pour mes avantages et qui sont en train de galérer dans le froid, qui attendent, qui sont fatigués et tout. Franchement, je vous remercie. C'est grâce à vous peut-être que ça va changer un petit peu. Je vous remercie tous les gilets jaunes, tous ceux qui agissent. Vraiment, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Et j'espère que ça va être entendu tout ça. Allez les collègues, vraiment, rejoignez le mouvement. Amis policiers, amis gendarmes, amis militaires, rejoignez le mouvement. On le voit pas là, on le voit l'écusson, voilà, hein. Il faut que ça change, les gars. Ok? Vous voulez soutenir les gilets jaunes? Mais ben mettez-vous juste en arrêt de travail. En arrêt de travail. Ok? Vous avez une hernie discale, vous n'êtes pas bien, vous avez un burn-out, vous êtes en dépression. Ok?